Ils ont monté leurs bâches, leurs feutres sur les cartons disent leur inquiétude en grève. Ainsi, depuis ce matin, les salariés de l'imprimerie battent le pavé. Depuis l'annonce de l'externalisation des travaux d'impression, le conflit est latent. Désormais, il est public. Conséquence, ce matin, le quotidien est absent des présentoirs. Cependant, la rédaction continue à fonctionner, prête à confectionner le journal en cas de solution. L'actionnaire, hier, leur disait encore que toutes les personnes qui seront concernées par l'externalisation de l'impression dans une autre entreprise, toutes ces personnes-là seront reclassées. Donc voilà, on essaye d'avancer avec les syndicats, on tient des réunions, nous sommes ouverts aux discussions, nous sommes là pour voir ça avec eux et rassurer tout le monde le plus vite possible. La relation de confiance entre les employés de l'imprimerie et la direction du groupe est abîmée. Le transfert d'emploi et le reclassement en cause pour les syndicats. Certains salariés ont de longues années au sein de l'entreprise. Leur inquiétude, un futur très incertain. Une proposition nous a été faite, c'est que certains de nos collègues pourraient être pris par le concurrent. Soit, je veux bien, mais quelles sont les garanties? Nous, ce qu'on veut, c'est les garanties. Et d'autres seront redéployés dans d'autres sociétés. Soit, mais des garanties. C'est tout ce que nous demandons. Suite aux dernières propositions de la direction, les syndicats pourraient envoyer par écrit leur réponse. Toutefois, pas de négociation en cours. Demain, la dépêche devrait être aussi absente des kiosques.